Marie-Madeleine Lémoret, chaque année, 4000 élèves de la région montréalaise suivent des cours d'autodéfense. Mais avec quel résultat? Rendez-vous à Sanofia. Ce soir, 18h, Maritime 19h, sur Récit Première. Vous écoutez ici Radio-Canada Première. Au 860 AM, à Toronto. Du cœur aux idées. Nathalie Babin-Gagnon. François Legault est resté sur sa faim à la sortie de son tête-à-tête avec Justin Trudeau sur l'immigration. Ils se rencontraient à ce sujet pour la deuxième fois en l'espace de 3 mois. Ottawa offre 750 millions de dollars sur 5 ans au gouvernement québécois pour l'accueil de demandeurs d'asile. Le gouvernement fédéral promet aussi une série de mesures, notamment pour réduire, à court terme, le nombre de résidents non permanents au pays, sans pour autant fournir de cibles précises. Voici François Legault, suivi de la réaction de Justin Trudeau.